Kevin Thierry et Stéphane Prévost testent dans le nord de l'Espagne. Quel est le but de ces essais intensifs ? Essayer de solutionner ce petit sous-virage que nous avions dans les virages lents. Et c'est sur là-dessus qu'on va s'attarder à travailler pendant ces deux jours ici en Espagne. Essayer de la rendre un peu plus efficace. La voiture était déjà efficace en général partout, mais on est ici pour encore améliorer le comportement. Pour améliorer le comportement de la 206 par rapport au Monte Carlo, le travail va se faire au niveau de la suspension, des amortisseurs et des différentiels, dont voici d'ailleurs l'extraction d'un bel exemplaire. Ce genre de test mobilise une dizaine de personnes, dont un ingénieur et 5 mécanos, car Bruno doit disposer d'une voiture en parfaite condition de course. Peugeot Team Belgique Luxembourg a donc tout prévu, même les couvertures chauffantes, pour mettre les pneumatiques à température. Ultime chauffage et c'est parti. Et petit à petit, Bruno accélère. Après 10 passages et quelques corrections techniques. De toute façon, ce qui est certain, c'est qu'on a amélioré le comportement de l'auto sur l'asphalte par rapport au Monte Carlo. Donc, et moi, je suis aussi plus à l'aise avec. Donc, c'est positif. Après les premiers grands changements, on en arrive aux détails, au raffinement, à l'analyse des sensations. Et c'est important, car cela va déterminer les réglages pour 3 rallyes. Corse, Catalogne et Luxembourg, il s'agit de ne pas se tromper. Après une nouvelle dizaine de passages, Bruno s'estime satisfait. Non, mais je crois que là, au niveau de l'asphalte, on est bien. Maintenant, pour le Luxembourg, il faudra peut-être faire une séance d'essai un peu différente, puisque je ne connais pas bien le Luxembourg, mais d'après Stéphane, c'est aussi très rapide, avec de l'asphalte lisse. Donc je crois que ça devrait être sensiblement les mêmes réglages à ce qu'on a ici en Espagne. Donc oui, là je crois que pour les trois prochains rallyes que nous allons faire avec la 206, on devrait être bien. Après ces tests positifs, on peut commencer à parler du prochain rallye. Le Tour de Corse. Premier objectif, c'est de taquiner les voitures d'usine et être le plus près possible des 206 officiels, comme nous l'avons fait au Monte Carlo. On a été quelquefois souvent très très près. Et bon, maintenant, résultat brut, c'est difficile à dire. Ce serait de nouveau bien sûr un rêve d'être à la porte des 10 premiers, et même être dans les 10 premiers au général. Mais moi, ce qu'il faut surtout, c'est essayer de jouer dans la meute des voitures d'usine comme nous l'avons fait en fait pour ce Monte Carlo. Et comme la voiture marche là pour l'instant, je crois que c'est envisageable. La Corse, le rallye que Bruno Thierry et Stéphane Prévost ont failli gagner en 95. Ils ont détesté la Corse. Aujourd'hui, la haine s'est un peu estompée. La Corse, c'est un rallye qu'on maîtrise bien. On y a participé de nombreuses fois. En plus, c'est à 90% le même rallye que l'année passée. C'est encore frais dans les mémoires puisque c'était il y a à peine 3 mois d'ici. Donc c'est sûr qu'on y va avec pas mal d'ambition et on sera bien préparé. Et quant aux résultats, que peut-on espérer ? Bah, c'est difficile à dire maintenant avec 20-21 voitures d'usine au départ. C'est clair que ça devient de plus en plus difficile de parler de résultats, mais raisonnablement, je pense qu'on peut espérer accrocher une place juste aux portes du top 10, ce qui serait déjà pas mal. C'est en tout cas notre objectif. Dans les 10 premiers, et pourquoi pas mieux. En tout cas, si l'équipe belge venait à brouiller le jeu des usines, ce serait la bonne blague de l'année. N'est-ce pas Stéphane? Allez.